Take it. If she gives you her heart, don't you break it. Let your arms be a place she feels safe in. She's the best thing that you'll ever have. She always has trouble falling asleep, and she likes to cuddle while under the sheets. She loves pop songs and dancing and bad trash TV. There's still a few other things. She loves love notes and babies and likes giving gifts. Has a hard time accepting a good compliment. And she loves her whole family and all of her friends. So if you're the one she lets in, take it. If she gives you her heart, don't you break it. Let your arms be a place she feels safe in. She's the best thing that you'll ever have. She'll love you if you love her. Like that. Kiss her with passion as much as you can. Run your hands through her hair whenever she's sad. And when she doesn't notice how pretty she is, tell her over and over so she never forgets. Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp, j'espère que vous allez bien. Alors un gros merci à Maryse d'avoir fait la démonstration avec moi. Alors c'est une chorégraphie qui s'appelle « If you love her », une valse, chorégraphie de moi et de Maryse Gagnon. Alors on débute après 12 temps avec pied gauche. On commence avec la première partie, on fait deux polistas en avant, donc en avant, 2, 3, 4, 5, 6. On va en avant, pied gauche, on va faire un demi-tour à gauche, en avant, ensemble, sur place. On recule le pied droit et on va pointer de côté deux temps. Donc, il y a comme une retenue à 12. Okay? Alors, si on le recommence, pied gauche, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, demi-tour, 8, 9. On recule, 11, 12, on va pointer. On fait les mêmes pas sur l'autre côté. Donc, on repart, polista. Donc, on va en avant, on croise légèrement en avant de l'autre pied. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, demi-tour, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deuxième partie, on va faire un grapevine, on va croiser en avant premier, croiser en avant, côté, croiser en arrière. Puis ici, on fait côté drague, 4, 5, 6, et il ne faut pas déposer le pied gauche. Quand on est rendu ici, côté avec pied gauche, on fait un drague, on dépose en ramenant le pied ensemble,
on fait un drag, on dépose en ramenant le pied ensemble. Alors, si on le fait en le comptant, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, troisième partie, on débute avec le pied gauche. On va faire le même demi-tour que tantôt, le demi-tour à gauche. 10, 11, 12, 1, 2, 3. On recule le pied droit et on va faire un éventail avec pied gauche. On recule pied gauche, éventail avec pied droit. On recule pied droit et on va pointer de côté et retenu. Donc, si je le fais, si on le fait ensemble une autre fois, là, pied gauche, demi-tour à gauche, 10, 11, 12. 1, 2, 3, on recule. 4, 5, 6, on recule. 7, 8, 9, on recule. 10, 11, 12. Alors, comme on a vu, l'éventail, c'est deux temps. Alors, si je le fais sur l'autre mur, de toute façon, c'est une danse à deux murs, donc on va le faire de l'autre côté. Alors, quand je fais le demi-tour, 1, 2, 3, demi-tour à gauche, je recule, rond de jambe, 5, 6, je recule, 7, rond de jambe, 8, 9, je recule, 10, 11, on pointe, 12, retenu. Okay? Alors, les trois prochaines parties, normalement, on les ferait sur le mur arrière. Mais juste pour les apprendre, c'est plus facile si je vous les montre sur le mur avant. De toute façon, on le fait sur les deux murs. Okay? Alors, donc, on commence avec pied gauche. On va en diagonale. On fait en avant, en avant, en avant. Et on va faire un kick. Le problème, c'est au niveau des comptes. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 développés. Donc, quand on fait le premier pas, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut aussi dire, dans le fond, lent, élan, kick. Et quand on recule, même principe, on recule pied droit 7, on recule le pied gauche 8, 9, on va de côté, on revient face au mur 10, et on va pointer 11 et retenu 12. Donc, si je le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On peut aussi dire lent, élan, kick, lent, élan, pointé. Alors, l'autre partie, c'est le tour à gauche. On fait les quatre murs en tournant, comme on fait souvent. On va avancer en diagonale. 1, 2, 3 face au mur. On recule diagonale. 5, 6 face au mur. On avance diagonale ensemble. On recule diagonale ensemble. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La dernière partie, la sixième partie, on va en avant et on va faire un rond de jambe. Donc, on avance le pied gauche. Rond de jambe, deux temps, deux, trois. On avance le droit, crochet et retenu. Et on recule ensemble, on recule ensemble. Encore une fois, si on fait les comptes, on va voir un petit peu plus les comptes. C'est plus facile de, en faisant les comptes. Là. On part du pied gauche. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On voit qu'il y a une retenue. Hein? Quand on recule, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une retenue, donc deux temps. Alors, si on fait seulement les trois dernières parties, on va en diagonale. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les quatre murs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais quand on est rendu normalement sur le premier mur, on est sur le mur opposé. Donc, on va dans le coin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les quatre murs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais c'était plus facile de l'apprendre de l'autre côté. Okay? Il y a une petite transition à cette danse-là. On fait le mur avant, le mur arrière. Et quand on revient au mur avant, on va faire seulement les deux premières parties. Je ne l'ai peut-être pas mentionné tantôt. Là. Quand on fait la deuxième, cette partie-là, il faut la faire toujours deux fois. Okay? Alors, on fait la première partie, deuxième partie deux fois, et la transition, on va faire en avant, pointé, on recule, pointé. Donc, c'est des retenues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et on repart du début de la danse avec la première partie. Okay? Pour la finale,
On est sur le mur arrière et on fait la dernière partie avec le rond de jambe. Okay? Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ici, avec le pied gauche, on va tourner un quart de tour et on va pivoter pour faire un autre quart de tour et on va pointer de côté et on place les mains de chaque côté. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et on pivote et on pointe et on lève les mains. Alors, merci beaucoup et bonne danse. Hey guys, this dance is called If You Love Her. It's choreographed by me and Maryse Gagnon. It's a 72 count, two wall, intermediate waltz line dance. So let's start with section one, left foot. We go forward, but we cross slightly over the right foot. Step, side, recover. We do the same steps starting with the right foot. Step, side, recover. Then we do three steps doing a half left turn. So we go forward, together with the right quarter left turn, together with the left quarter left turn. Then we go back with the right and we touch on the side and we hold. So let's do section one with the counts, okay? 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So we do section one on the opposite wall. So we start with the left. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Section 2, we do a vine to the right. So we cross side behind. Then we go side and we drag the left foot 5, 6, two counts. Okay? So let's do these particular steps with the counts. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then we go side with the left, 7, and we drag the right foot, 8, 9, but we put the weight at 9, and we do the same steps, 10, 11, 12. We put the weight at 12 on the right foot. So let's do section 2, and we always do twice, two times the section 2. So we'll do it twice, okay? 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Section 3, we do the same half turn that we did in section 1. So we go forward, 1, 2, 3. Then we go back with the right foot. And with the left, we do a sweep, two counts. Then we go back with the left. We do a sweep with the right foot. Then we go back with the right and we touch on the side and we hold. So let's do section three with the counts, okay? 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Let's do section three on the 6 o'clock wall. When we do wall two, we'll do it on the 6 o'clock wall. So we start with the left. We do a half left turn. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, okay? So when you do wall one, so you do section 4, section 5, and section 6 on the 6 o'clock wall. But when you do wall 2, you will be on the 12 o'clock wall, and it will be easier for you guys to learn the sections if I'm on the 12 o'clock wall. So I will do all the sections on the 12 o'clock wall, and then we'll try them on the 6 o'clock wall. So section 4, we go diagonal to the left. We go forward, so 1 with the left, 2, 3 with the right, 4 with the left, and we do a développé, which is a gradual kick, 5, 6 with the right foot, okay? So if we do it with the counts, 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can also say like step, and step, kick. Maybe it's easier for you to learn it, okay? So if we do it with the counts, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then we go back, 7, 8, 9 with the left. Then we go sideways facing the wall with the right foot, 10. And we touch on the side and we hold for the 11, 12, okay? So let's do
section 4, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? So, let's do section 5. Section 5, we do the four walls. We do four quarter left turns. So, we go diagonal to the left. 1, 2, 3, we face the wall. Diagonal to the right, we go back. 4, 5, 6, we face the wall. And we do the same steps. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? So we do the four walls, four quarter turns to the left. So let's do section 6. We go forward with the left. 1. Then we do a rond de jambe, which is a circle in the air with the right leg. So we do 2-3, two step, two counts in the air. We go forward. We do a back hook and we hold. So let's do these particular steps with the counts. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then we go back with the left. Back, together, hold. The same steps. Back, together, hold. So let's do section 6 with the counts. Okay? 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? So if we do this, the last three sections, okay? Section 4, 5, and 6, diagonal to the left. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. But when you do wall 1, you're like facing the 6 o'clock wall, okay? So you're like, you touch on the side, 11, 12. And then you do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, the four walls. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? So in this particular dance, there's a 12 count tag. You do wall 1, wall 2, and when you're on wall 3, you will do section 1 on each side, and section 2 twice, and then there's the tag. So you go forward with the left, forward, touch on the side and hold, forward, touch on the side and hold, and you do the same steps going backwards. Back, side, you touch and you hold. Back, you touch on the side and you hold. So if we do the tag with the counts, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And for the ending, you have to do section 6 on the 6 o'clock wall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And with the left foot, you will turn a quarter turn to the left, 13, and you pivot, and you do a touch on the side with the right. So you do like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. And you put your hands in the air like this, okay? So I hope you enjoyed learning this dance with me. So take care and stay safe, okay?